anana yayi mayun koba mazutame jibi aboro baba mitemi semi sikivu ake anti mabonesie demora fog mamon tuto mongote enyane ingazama Mora fogo ma o mongo tem aya na bebo ama gimia yiki na mabola toboko ayaya temora fogo ma mon vava anga uyon makama folo abala mo manga kama vondi Gave tam ma commandant Et va mi so anga katinge Gimia yiki na mabola tobo Ayaya Temora fogo ma mon tutu Temora fogo ma na teres Mongo te Enyane yinga zama Mora fogo ma mon tutu Mongo te Ayana bebo ama Gimia yiki na mabola tobo Gimia yiki na maswako Mora fogo ma tobo Mebo ni gimia yene kima Nyebuni kimia tona kima kie Makama teba makama ta Tumora fong ma mon tutu Mongo tem Enyani inga zama Tumora fong ma o Mongo tem Enyani babu ama Gimia yiki na mabola tobo Ayaya Temora fong ma mon vava Temora fong ma mon vava Avec
Alors, mais non, je t'ai dit que j'étais en campagne, toi tu comprends pas. Ouais, allez vous asseoir. Vous avez délégation de pouvoir. Alors, mon frère, ça va? Ah, ben, j'ai suivi que le premier ministre est arrivé à Tombouctou. Ouais, vous mettez à ce côté. Tu sais, j'étais en Tom, ça c'est que tu aimes, hein. Comme les gens de Tom, ils te connaissent. Le problème, c'est que tu ne devais pas aller seul là-bas. Mais je l'ai réclamé. Comme moi. Membres du CODEPA, chères sœurs, chers frères, merci d'être venus à cette réunion des experts où je me faisais le moulon d'être tout seul. Votre présence nous honore et traduit à ne plus en douter de la détermination et de la solidarité qui sont des nôtres aujourd'hui pour faire de l'artisanat africain un levier incontournable du développement de notre continent. Mesdames et messieurs, chers experts, c'est avec un grand plaisir et une légitime fierté que je prends la parole devant vous à l'occasion de l'ouverture solennelle de la réunion des experts prélu à la 6e conférence des ministres en charge de l'artisanat en Afrique, placée sous le très haut parrainage de son Excellence Monsieur le Président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, et sous la conduite du Premier ministre, chef du gouvernement, qui préside ses assises. Je voudrais rappeler ici qu'ensemble, nous avons placé de grands espoirs
dans l'opérationnalité du faux départ, parce qu'il nous a semblé pouvoir nous apporter quelques réponses pertinentes à la nécessité de valoriser notre artisanat, si riche, si dense et si diversifié. L'institutionnel était le premier levier qui devrait connaître une fort heureusement, avec le concours de tous, nous avons procédé progressivement à la réforme de l'institutionnel de notre organisation. Je voudrais à cet effet remercier de l'artisanat et des PME de la République du Congo à qui vous avez confié à la conférence de Yaoundé en 2010 la lourde tâche d'engager le chemin de la réforme des statuts et du règlement intérieur de notre organisation pour les réadapter à la réalité du moment qui, normalement, doit fédérer les principes cardinaux de la mondialisation et de la globalisation des économies. À cet effet, ma chère collègue a fait un travail énorme et vous avez bien voulu à Brazzaville, en janvier 2012, que votre humble serviteur continue à suivre la réforme d'ores et déjà engagée. Nous avons ainsi essayé de nous concerter avec tout le monde, avec votre appui à tous. Et le résultat de ces premières concertations nous a permis de séparer le codépart du CIAO. Et je voudrais remercier ici le gouvernement et le peuple burkinabé, et très spécialement son président, son excellence Blaise Compaoré, qui a jusqu'alors abrité tout ce qui faisait le matériel de notre institution et qui a consenti d'énormes sacrifices pour que jusqu'à date le CODEPA ne connaisse de problèmes. Le secrétariat général, en effet, de notre institution était logé dans les locaux de la direction générale du CIAO. Et au début de l'année dernière, on avait décidé de trouver un local au CODEPA séparé des locaux du CIAO. On avait également demandé au gouvernement burkinabé de nous trouver une portion de terre que nous puissions démarrer la construction du siège de notre institution. Je voudrais dire que ces deux procédés ont connu un véritable aboutissement dans la mesure où nous avons eu un local de terre dans le grand quartier administratif de Ouaga, à Ouaga 2000, et les 3600 m² qui nous ont été octroyés ont connu la pose de la première pierre de notre édifice. Les contributions ont connu la fixation des montants par état et nous attendons aujourd'hui la solidarité de tous et surtout notre pertinence pour que ces cotisations soient libérées afin que ce joyau tel qu'on le voit dans l'esquisse architecturale qui nous a été présentée puisse véritablement sortir de terre. Je voudrais également dire que si nous parlons de l'artisanat africain, c'est parce que nous savons que c'est un immense gisement de possibilités de création de richesses et d'emplois. Et dans certains pays, l'emploi est tenu à plus de 60% par le secteur artisanal. C'est la raison pour laquelle nous soumettons à votre expertise l'analyse des différents thèmes qui vont être présentés par des consultants et des structures internationales avec des expériences et des techniques bénéficiées sur le plan global pour l'encadrement de nos artisans. Le démarrage de ces travaux, qui va donc connaître la finalisation
des statuts et règlements du CODEPA est en fait le processus d'un très long parcours qui a nécessité de votre part des efforts consentis et des énergies, et surtout du temps. C'est à l'harmonisation de toutes ces démarches, de toutes ces propositions et à une rationalisation de nombreux documents, enrichir et valider le contenu de ces documents pour que demain, lors de la conférence des ministres, vous puissiez nous présenter les documents au point que nous aurons tout simplement à valider afin que l'artisanat africain reparte sur des bases beaucoup plus prometteuses. Chers experts, vous êtes les dépositaires des résultats de toute cette effervescence. Il s'agit d'un travail technique où l'innovation, l'imagination, la créativité et le courage devront, en toutes circonstances, prendre le dessus sur la routine et la complaisance. De toute évidence, je sais que vous êtes à la hauteur de ces défis. Vous l'avez prouvé par le passé, à travers beaucoup d'autres cérémonies et manifestations, à travers beaucoup d'autres concertations. La plupart des données dispersées et éparses qui vous sont remises ici, de ces données, vous sortirez probablement ce soir, avec une liasse de propositions ambitieuses et harmonieuses qui faciliteront la définition par les ministres d'une authentique politique de développement et de promotion de l'artisanat africain. À l'effet de vous permettre d'obtenir facilement ces performances, nous avons mis à votre disposition des ressources adéquates et je reste prêt à les compléter si la nécessité s'imposait par toute autre facilité qui vous permettrait d'atteindre prestamment le résultat attendu de vous. Chers experts, il serait souhaitable que la tâche technique qui vous attend soit immédiatement entamée. Je déclare ouvert les travaux des experts de cette 6e conférence des ministres africains en charge de l'artisanat dans le pays membre du groupe DEPA. Vous pouvez vivre l'artisanat africain, vive le CODEPA, vive le Cameroun qui a voulu parrainer cette réunion. Grâce à son prestigieux président, M. Kondiga, que vive la solidarité africaine. Je vous remercie. Olinga ne te moto, rotula de libea, fulema mufawa, kane waka kane fulema, sibe de somo kere mamuli, lokwa la peto kunya na umawa, moto na moto te, ewe pe a kumeno, kese jaga la loba, balele pente la bona, merci beaucoup. Et je voudrais remercier aussi de vous intéresser à notre pays. Et je profite aussi de votre tribune pour dire merci à l'Afrique pour la solidarité qui a été manifestée vis-à-vis de notre pays dans les moments les plus durs de son histoire. Et effectivement, l'artisanat est très grand parce que vous avez des types d'artisanat. L'artisanat d'art qui est surtout lié à l'activité touristique. Et notre pays, avec les différents incidents qui ont commencé depuis 2008, a connu une chute de la fréquentation touristique et pratiquement depuis 2012, il n'y a plus de touristes qui viennent au Mali. Donc cet artisanat est en train de souffrir beaucoup de cette crise. Et l'artisanat aussi, c'est un artisanat utilitaire. À partir de la sous-traitance des grands travaux. Et les grands travaux aussi sont arrêtés depuis cette crise. Donc c'est le secteur qui a en fait le plus souffert de la crise que connaît le Mali.
Est-ce que dans un tel contexte, il est possible que le COLEPA vienne en aide à votre pays? C'est des sujets que vous avez proposés. Il s'agit d'abord de permettre au secteur de ne pas totalement sombrer. C'est que nous avons au niveau de notre gouvernement pris certaines mesures pour permettre au secteur de survivre en attendant la reprise. Et nous allons aussi poser les problèmes au niveau du COLEPA. L'Afrique a manifesté sa solidarité en envoyant ses enfants mourir pour la liberté du peuple, pour la liberté de l'Afrique et du monde. Et je crois que cette liberté va revenir aussi à se manifester dans ce secteur aussi, qui est un secteur vital, parce que tout est lié. C'est-à-dire que si vous avez un taux de chômage élevé, notre artisanat est le principal pouvoir d'emploi dans un pays comme le Mali, on ne peut pas aussi parler de sécurité. C'est que nous allons avoir un autre type de sécurité qui risque de s'installer dans notre pays. Et nous allons attirer l'attention des ministres sur cette question. Merci, monsieur le ministre. Je vous remercie. C'est qu'elle sera téléchargeable une fois. Ça sera sous Android pour Google et sur iOS pour Apple. Hein? Bien évidemment, puisque ce sont les deux grands qui séparent le marché, il faut donc répartir ces deux systèmes d'exploitation. Donc, on aura la capacité de pouvoir télécharger cette application une fois. Connexion à Internet illimitée.
Deuxième application, ou plutôt deuxième cible, ce sont plutôt les entrepreneurs eux-mêmes qui ont besoin d'avoir une réponse immédiate. Alors, simplement, la mise à jour passera, puisqu'il y aura forcément, vous comprenez bien, en termes de législation administrative et autres, l'obligation d'une mise à jour régulière, et donc ça passera par des structures relais. Je vais prendre un exemple que je connais bien, le Burkina Faso. Nous imaginons prendre appui sur la maison de l'entreprise et les secteurs, donc les centres de formalité administrative, et donc permettre à ces antennes locales, via justement la mise, que les gens puissent avoir ces supports sur place et pouvoir télécharger ensuite l'application, soit sur leur smartphone, soit de l'interroger directement à partir du lieu de structure. Aujourd'hui, ensuite, la mise à jour, par contre, me semble être un moyen de ressources pour la structure accompagnatrice, et donc la mise à jour peut être payante. Simplement, elle peut être à un coût relativement faible, puisqu'on s'appuie sur la démultiplication du nombre de mises à jour pour pouvoir payer cette mise à jour et faire rentrer des recettes localisées. Donc la première, d'institutions et beaucoup d'experts s'accordent pour penser que le développement, tout un travail autour du soutien entre les ethniques a également cette préoccupation. Produire ses biens, produire mieux, et donc de chercher sur lequel ils sont, et de permettre à avoir une information, j'allais dire, à l'époque, comme les nôtres, non plus du papier, mais laisser un support ethnique, encore une fois, n'a pas vocation à se substituer. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus concis possible. Je vous ai dit tout à l'heure, j'y reviendrai. Et le ministre du Tourisme et de l'Artisanat fait appel à évidemment l'ambassadeur d'Algérie que je suis pour que je puisse le représenter demain dans la réunion ministérielle, mais pour que je puisse évidemment aussi être présent aux travaux de préparation. Et c'est à ce niveau-là que je m'interroge, avec un lien évidemment avec les questions qui viennent d'être posées. Que le programme soit l'ancien ou le nouveau, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir est-ce que nous avons suffisamment de temps pour écouter des interventions plutôt d'ordre technique. Toi possède un téléphone et possédera un smartphone dans les années à venir. C'est-à-dire la capacité d'avoir des applications sur son téléphone, un peu comme ici, aujourd'hui, on peut payer via un téléphone un service bancaire. Eh bien, notre souhait, c'est de pouvoir développer une application numérique sous forme de bande dessinée qui va retracer le parcours de celui qui souhaite créer une entreprise et donc sous forme de dessin en langue vernaculaire, apporter de l'information à cette personne pour lui dire voilà le chemin qu'il faut suivre pour créer son entreprise. Ça, c'est une des applications. Et c'est vrai que les gens peut-être, du coup, avec le dessin, peuvent être informés. Mais dans un deuxième temps, l'application sera aussi orale. C'est-à-dire qu'elle sera accompagnée d'une bande sonore, ce qui fait qu'on n'aura même plus besoin de l'écrit. Figurera également l'oral. Et là, tout le monde comprend, bien évidemment, sa langue maternelle. Donc, il n'y aura plus de problématique dans ce domaine-là. Et en plus, on enlève une contrainte qui est la contrainte de l'accès à Internet, puisque ça, par contre, on sait aussi que c'est une difficulté. Par contre, le fait que l'application soit téléchargeable sur son téléphone une fois permettra de l'interroger ensuite en permanence. Donc, on pourra être en train de garder dans son champ ses quelques vaches ou ses quelques moutons et en même temps regarder son téléphone et s'informer, se cultiver et repartir après pour monter son dossier si je veux être un jour entrepreneur, par exemple. Mais ça peut être aussi pour les chefs d'entreprise. J'ai besoin demain de recruter une personne, je ne sais pas comment faire, quel contrat de travail mettre en place, et bien j'aurai des exemples de contrat de travail type et j'aurai le document. Et donc tout de suite, je serai capable de répondre à un besoin immédiat. Des dessins sur cette application pour les artisans sur le chemin de parcours du créateur d'entreprise. Pourquoi le dessin? Parce que c'est très utilisé en termes de formation. C'est d'abord très parlant et un bon dessin vaut mieux que de longs discours. Et bien souvent, la mise en situation par le dessin fait comprendre à celui qui regarde la situation dans laquelle il pourrait se trouver. Et donc, il va se projeter comme étant un des acteurs et donc se mettre à la place de la personne qui
travailler sur cette bande dessinée, et ça sera quelqu'un comme lui. Donc il pourra s'identifier et se dire que c'est quelqu'un, ce quelqu'un comme lui, ben, il va lui montrer ce chemin à parcourir sous forme de planches numériques, sous forme de dessin, tout simplement, donc développé par des dessinateurs locaux et ensuite mis techniquement, c'est un peu plus compliqué, mais ça c'est un autre domaine, par des développeurs informatiques. Ah mais nous, j'ai l'habitude de dire qu'on ne sait rien faire, on ne sait que faire faire. Donc c'est pas Ethnic qui va mettre en place, c'est qu'on va effectivement identifier les potentialités locales pour pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'on est bien conscient que chaque pays a ses spécificités. Donc chaque application en fonction de chaque pays sera déclinée de façon différente effectivement. On va mettre à contribution les structures existantes dans chacun des pays. Si je prends par exemple le Burkina Faso, que je connais assez bien, eh bien ça sera un expert probablement de la maison de l'entreprise, qui lui connaît très très bien son milieu, a des ressources humaines à l'intérieur de sa propre structure, et sera donc en capacité de nous restituer ou de restituer aux dessinateurs le contexte qu'on souhaite voir transcrire sous forme de dessin. Et donc le travail se fera non pas entre Ethnic et le développeur, mais entre la personne ressource du pays cité et le développeur et le dessinateur. Ethnic n'étant qu'un facilitateur. Ces prêts constituent en réalité ce qu'on peut appeler un revolving fund qui est utilisé par la suite. Et en fin de programme, qu'est-ce qui se passe? La tendance c'est qu'en fin de programme, on se retrouve avec de l'argent, c'est-à-dire on pourrait se retrouver avec une importante somme d'argent pour pérenniser, pour faire la pérennisation des activités, des acquis du programme. On est bien obligé de créer ce qu'on peut appeler des fonds de financement. De ces fonds de financement qui, ma foi, sont beaucoup sollicités au niveau des microcrédits, des crédits dits crédits de campagne. En réalité, au niveau des banques spécialisées, bon, la difficulté à ce niveau, c'est le taux de remboursement qui finalement, en ce qui concerne l'Afrique centrale, va entre 16 à 18, 19%. Et ce qui est assez lourd, ce qui est assez difficile, si c'est facile pour le départ de s'engager, la redistribution au niveau des microstructures connaîtra des problèmes, certainement. Donc, pour ne pas traîner, pour ne pas prendre beaucoup de temps, voilà à peu près ce qui a été préparé dans le cadre du financement du secteur de l'artisanat et l'accès de recherche qui devrait être fait par le collègue. Nous allons demander uniquement aux experts du moment de la défense. Mais je pense qu'il aurait dû être dit avant, d'ailleurs. Je suis diplomate de formation, de fonction, et je sais comment ça se passe ailleurs. J'ai été en charge de la coopération avec l'Union européenne. J'ai eu plein de réunions avec l'Union européenne. Un consultant, quand il arrive pour présenter un dossier, il fait sa présentation, il suit le débat, il enrichit le débat, et il quitte juste après. Il s'agit de questions qui le concernent directement, pour lesquelles il est là. Point barre, le consultant ne participe pas aux délibérations ni au débat sur les autres questions à l'ordre du jour. Je voudrais donc que cela soit corrigé et je souhaiterais que qu'il ne faut pas attendre cette présentation, mais le faire dès cet instant. La présentation dont il s'agit magnétique, je ne vois pas pour quelle raison des experts qui ont été invités par Codepam pour présenter d'autres thèmes plutôt techniques pour lesquels vous les avez. Il s'agit de discuter des questions propres à la ville de l'organisation. Donc, nous avons un problème à ce niveau. Nous remercions très sincèrement les consultants pour leur contribution. Nous prenons le compte. Nous gardons le contact.
c'est que, monsieur le président, vraiment, il s'agit de questions de souveraineté entre Africains, qui devraient être discutées entre Africains. Je n'ai rien contre X ni Y, ni contre un Français ou un Allemand. Ou un... C'est une question de respect des règles d'usage. Encore une fois, je vous l'ai dit, j'étais pendant 4 ans directeur de la coopération avec l'Union européenne. J'ai assisté à beaucoup de réunions avec les Européens. Et bien, quand les consultants arrivent, je vous assure que le président ne reprend pas la parole avant qu'il ne quitte. Il me saute des yeux jusqu'au départ, avant de reprendre la parole. Faisons un petit peu ce que tout le monde fait. C'est tout simplement...